The Barba, Camos, gros big up. X-V-Barba dans ta tête, nous on t'enchaîne. Sur le raté, y'a le loup, y'a la chaîne. Tu parles, on t'a direct dans le coffre, nous on t'enchaîne. Pas besoin de talisman, armé comme un taliban. Belle qu'à pas de faire ketchup, belle qu'à pas de faire ketchup. 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 On t'attache, on te met dans le camus. Toi tu parles mal, mais tu parles. Bah en toute chose, pourquoi XV Barbar? Pourquoi XV Barbar? Ça correspond par rapport à votre arrondissement? Ouais, c'est un arrondissement, parce que XV2, Orange, Point Romain, XV Barbare, tu vois. Ok. Une barre, ça fait XV Barbare, un petit jeu de mots en même temps, tu vois. Au calme. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique? Ça fait combien de temps? Bah, en fait, ça varie, tu vois. Chaque MC a son petit parcours dans le rap. Mais en gros, le XV Barbare, ça fait un an et demi qu'on est là, tu vois. Un an et demi. C'est officiel, que ça s'est officialisé. Officiel. Sinon, ok. Chacun rappait un peu de son côté. Sinon, avant ça rappait tout ça. Ouais, bah ouais. Mais là, le groupe, là, ça fait. Ça rappait. Ah ouais. Bah ouais. Donc là, officiellement, ça fait un an, là. Ouais, ouais, un an et demi, un truc comme ça, tu vois. Ça s'est vraiment officialisé. Donc, un an et demi, vous avez fait un pétard. Ouais, un pétard. Hein? C'est ça, il faut maintenant ça rap, là. Le show. Tout niqué, là. Ah ouais, on a dit, on veut gagner des milliards, nous. Ah. Donc, vous avez sorti votre mixtape. Ouais, Insta Anima, toujours ouais. Sur le site, YouTube, gratuit, téléchargeable. Les plateformes. Mais pourquoi vous voulez sortir ça gratuit? Parce qu'il y a de l'engouement. Pourquoi non, l'impro, on t'envoie ça. À sortir, si vous voulez, vous pouvez vraiment vendre votre projet, non? Ouais, c'est sûr. Mais non, nous, c'est un projet plâtré, ça. Et on a fait voir les gens, tu vois. On s'est mis dans l'optique qu'on allait faire de la frappe et qu'on allait la passer gratuitement, tu vois. Ok. Pas des bâtards qui sont là, qui vont faire un vieil album avec deux poissons lourds et te le vendre, tu vois ce que je veux dire. Voilà, on est plutôt dans l'optique, voilà. Donc c'était un cadeau. Il y a des barbares dans la street, tout ça, tu vois. On a fait des généreux pour une fois, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Ouais, sinon, dans la mixtape, franchement, pour moi, il y a pas mal de morceaux que j'ai apprécié. Bah, déjà, le premier morceau, là, pris pour cible. Pris pour cible. Ce soir, c'est dommage, c'est toi la victime. Les gars, t'attendais, au fond, tu le savais. Ivré, navré, repose en paix. Rappel de balle. Quand t'écoutes le morceau, t'as envie d'écouter les suivants. Mon gars Joe. Ouais, c'est ça, mon gars. Et ça fait combien de temps là vous avez travaillé le projet là? Combien de temps vous avez travaillé ça? Ça, on l'a fait en. Un bon 8 mois. Quoi? Non. Un bon 8 mois. Un peu moins. Bah ouais. Grosso modo, 8 mois, 6 mois. 6 mois. Ouais. 6 mois, moi je dis. On a pris longtemps, tu vois. Il y avait des périodes, on était à fond dans le studio, il y avait des périodes, on s'est pas pressé, tu vois, on a pris notre temps. On voilà a fait quoi, des choses, tu vois. Des choses à faire un peu. Ouais. C'est pas vraiment pressé, mais c'est vers la fin qu'on s'est donné un peu. Ok. Mais sinon, là vous êtes à 8. Et comment vous travaillez vos sons? Bon, t'as vu, on a à peu près tous les mêmes goûts, tu vois. Chacun dans son délire. Donc vas-y, je sais pas, tu vois, Black Day va m'amener une instru, je vais kiffer dessus, je vais poser, tu vois. Après c'est sûr qu'il y aura un autre barbare, il va écouter le son, il va poser, tout ça. Ça se fait au feeling, je crois. Ça se fait au feeling, tu vois. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Le mec il aime bien le son, il va poser dedans. Ouais, c'est au feeling, tu vois. C'est en impro. Voilà. Ça c'est de l'impro un peu, t'as capté, mais vas-y. Quand c'est de l'impro, mais toujours bien garni, tu vois. C'est sérieux, mais on peut faire encore plus sérieux. C'est avant tout un lirdé, tu vois. Je te rappelle, c'est un petit lirdé entre nous, tu vois. On se prend pas au sérieux, on se prend pas la tête, tu vois. On fait nos sons, tu kiffes, tu viens, tu poses. Voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Ok. Ouais, mais sinon, dans le projet, toi, c'est plus ou moins vraiment. C'est du sale hein, ce que vous faites. Hein? C'est du sale. Mais il y a des morceaux, vous mettez quand même le vocodeur. Comme. Il y a un morceau, Méga vend de la mort. C'est Méga vend de la mort, tu vois. On a voulu faire un truc où les gens ils pouvaient se reconnaître, mais. C'est toujours dans l'énervé, mais celui-là on l'a plus fait en douceur, tu vois ce que je veux dire. Il faut savoir varier dans le rap, tu vois. On s'accapare pas un seul style de rap, tu vois. On essaye de faire un peu de tout et
C'est voilà, les barbares, des fois ils sont fatigués les barbares. En même temps les gens ils ont adhéré, ça, tu vois, donc C'est pour faire kiffer tout le monde, tu vois. Il y a des gens, ils aiment pas forcément Pris pour Cible, ils aiment pas forcément Blunt. On a essayé de faire un peu voilà, pour tous les goûts, tu vois. On a essayé de faire un projet où tout le monde pourra se correspondre, tu vois, pourra se voir dedans. Voilà, tout le monde peut se reconnaître dans chaque son. Ok. Vas-y. Pris pour Cible, c'est du XV Barbare, comme si mes gars vont la mort, c'est du XV Barbare, tu vois. C'est notre identité, c'est nous. Après, c'est pas parce qu'il y a du vocodeur que c'est pas street. Tu vois, je peux te dire même, je te nique ta mère en faisant du vocodeur. Tu vois, il va passer crème, mon gars. La violence, c'est toujours de la barbarie. Toujours dans la violence, mais on te la met en douceur, poteau. On a posé les oreilles un peu. Sinon, après ça, c'est quoi la suite? Parce que là, en fait, le P, c'était. La mixtape, c'était une carte de visite. Ouais, voilà, c'était juste histoire de nous faire entendre dans le rap, tu vois. Parce okay. Il y a des gens qui font les aveugles et tout, donc on a sorti un truc plus concret. On ramène des gens de flow, on ramène des putains de flow, mon gars. Futur flow. Jusqu'à les gens, ils recopient. Ouais, jusqu'à les gens, ils regardent. Ils c'est des miroirs, les gens, c'est des miroirs. Ah ouais, bah, attention. Calme, c'est ça. C'est bien, c'est bon signe. C'est bon signe, ma gueule, en même temps, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Ok, donc la suite, c'est quoi après vous... La suite, c'est quoi? La suite c'est quoi? C'est un putain de collectif, un futur classique dans le rap français, ma gueule. Ouais. Le rap français aujourd'hui, il va changer. T'es un cap toute ta vie. Il fait que d'évoluer, tu vois, toute mais nous vie. On est venu le faire trembler le rap français, tu vois ce que je veux dire. Nous s'adapte à l'évolution voilà. En plus, tu vois. Ouais. Nous on est sur le long terme, ma gueule, hein. On n'est pas des artistes qui arrivent, on fait un carton, après on fait un flop. Hein. Ouais. Et arrêtez de croire que le trap ça rappe, ça sauve les rappeurs, mon pote. Ouais. Parce que quand il n'y aura plus de trap, on verra bien. Moi. Ça sauve les rappeurs? Ah ouais, gros. En gros, tu me dis quoi? Si il y a le trap aujourd'hui, il y a des rappeurs qui existent. Et sans le trap, en gros, ça camoufle. Rap, t'as capté? C'est comme toutes les périodes de rap, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok. Chaque. Mais vous faites du trap, non? Bah, franchement, on est dans tout, tu vois. En ce moment, c'est faire comprendre, c'est que nous, on varie, t'as vu. Si tu nous passes une prod rap français, t'as vu, on va la kicker. On va la wet sa mère, gars. Comme du trap. Comme du rap. Ouais, très bien que les gens, ils écoutent du trap. Mais nous, même du old school, t'inquiète même pas, tu vas voir ce qu'on fait. Ok. Gros, vous êtes tout terrain. Mais pas de passage. Tu vois ce que je veux dire, on veut pas être de passage. Ah, ok. Et sinon, vous êtes indépendant ou bien vous êtes signé? Indépendant. En Inde. Comme l'Algérie. Okay. Et c'est qui pour vous HLMC? Parce que souvent HLMC vous donne la force sur les réseaux sociaux et tout ça. Il nous donne la force comme on peut lui donner la force. C'est un grand notre Tcheka. Ok, c'est le grand frère, on peut dire ça. Tout le temps là, mon gars. Vas-y, il nous a fait quelque chose un peu. En fait, c'est pas la musique. Avec lui, c'est pas que la musique. C'est la rue, t'as comme il dit, c'est un bonhomme, non? Si, les gens à côté de nous, c'est que c'est un bonhomme. Les gens, ils croient qu'on connaît bien la musique, tout ça. C'est un peu normal, tu vois, si moi demain je perds, je suis refait, tout ça, c'est sûr que je vais faire croquer les petits frères, tu vois. Voilà, la question elle se pose pas, c'est qui pour nous HLMC, tu vois ce que je veux dire. Ok. C'est un peu automatique, tu vois. Ok. Voilà. Et le groupe PSO Thug. PSO Thug. Ça c'est les refrains, mais ça c'est les refrains. Je lui crave de la dope à des politiciens, je suis une menace pour la société. Elle veut des câlins mais c'est qu'une putain, je comprends pas c'est quoi le lire des. Dans le four jusqu'à ce que le soleil soit levé, appelle sur le fond sans se faire cramer. Toute ma clique fuck les flics, ça barreau dans la ville pour du blé, obligé de charbonner. Ouais, parce que des fois j'arrive pas à vous différencier entre XV Barbare et PSO Thug. On habite au même endroit. Les gens ils aiment bien, on habite au même endroit. C'est la même ou bien? On est dans la même dans les bris qui te braquent. On est dans la même pénombre, ma gueule. XV Barbare, PSO Thug c'est la même, tu vois. Mon gars Leto, mon gars Aero. Aïe aïe aïe. L.E.T.O. dans ton clito, petite putain. Ok, Volt face aussi, hein. Ouais, mon gars Volt. N'oublie pas, mon gars Volt. Il y a tout le monde. Ouge des rappeurs dans l'ombre. Mon gars Volt. T'as pas vu, gros. Ouge des rappeurs sur l'allée, mon gars. C'est tout là, t'inquiète. On va sortir bientôt. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Agrume. Il y a beaucoup de gens. Cui, Abdel-Touareg. Je peux même te parler de Taoudia. Si, Abdel-Touareg. Chanteur de rail, futur champion. Taoudia, mon gars. Mon gars Zako, chez Zako, t'inquiète. Futur champion, mon gars chinois aussi, on a des boxeurs, on a tout. Mon gars Santa, Mas. Ouais, il y a même des magiciens. Santana là, la magie. Tola, ouais, Santana là, ouais. Si, si. Et actuellement, comment vous voyez le rap français? Est-ce que le rap français se porte bien? Le rap français, je crois que nous, en fait, on a notre rap. On peut même pas dire qu'il est carré, français ou lâché. Le rap du XV Barbare. Le rap en général. C'est bon, il n'y a plus de normes, tu vois ce que je veux dire. Tu peux faire ce que tu veux dedans. Si tu dis que c'est du rap, pour tout le monde c'est du rap, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, mais bon, en gros, dans le rap, il n'y a plus tellement de normes, tu vois. Ouais. Et ça fait qu'évoluer, tu vois. Donc en même temps, nous, on est là, on essaye de le remonter un peu, parce que c'est vrai qu'en ce moment, il va pas trop bien, le rap français. Ah ouais. Il va pas trop bien. Tu vois, il y a des bons artistes, tu vois. En même temps, on écoute de tout.
On ramène la fraîcheur, mon gars. On visère des béquilles parce que c'était en train de boiter là un peu. En train de boiter là, on visère des béquilles un peu. À part ça, bah. Faire encaisser ton pari Barça. Est-ce que. Ça, c'est ça le rap, tu vois. 2015 et les années à venir, on peut compter sur vous. Ah, oui, compter sur vous. Ou bien vous êtes que de passage. Non, on n'est pas que de passage, ma gueule. On n'est pas que de passage. On a dit le poteau tout à l'heure, non. Tu vas t'habituer, t'inquiète. T'inquiète, XV Barbare, ça va rentrer dans la mémoire des gens. Comme je t'ai dit, futur classique, ma gueule. Futur classique, hein. On en voit seulement. En 2045, ça sera nous, là, old school, ma gueule. La tête de Ok. Ah ouais, gros. XV Barbare. PSO Thug, Ice MC, Volteface, tout le monde, comme on a déjà dit. Tout le monde, toute la Jonquière. De Belize. Toute la rue de la Jonquière, toute la paix. Ton gilet pare-balles. Toute la fourche ici. Et pour toi, c'est qui le meilleur par exemple dans le groupe? C'est qui le meilleur? Ouais. En fait, comme on est chacun, pas il a son style, tu vois. Voilà. Hein? Chacun, il a son style. Nous, c'est Marvel. Tu vois. Igo. Après, c'est aux gens de juger, c'est pas à nous de dire, ouais, voilà, le meilleur dans le groupe, moi je suis le deuxième. Ouais. Non, mais, en fait, parce que... mais toi, par exemple, tu préfères qui toi dans le groupe? Moi, je préfère qui? Écoute, chacun complète l'autre, tu vois ce que je veux dire? Moi, je préfère moi. Moi, c'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur aussi. Moi, je préfère Jack Mess. Mon gars Lion qui te la met en finesse, ma gueule. XV Barbare, t'en enlèves un, c'est plus XV Barbare, tu vois ce que je veux dire ou pas? Okay. Je suis le deuxième fan de XV Barbare. Nous, on fait la force, ma gueule. Les plus forts, c'est XV Barbare, ça. Nous, c'est comme Sangoku. Dis, transmets-nous la force. Genkidama. Quand j'écris un texte, c'est comme ça avec tout l'XV Barbare. Transmettez-moi la force, les gars. Dis-toi, même quand on s'écoute, on a des frissons. Même quand on s'écoute nous-mêmes, on a des frissons. C'est très bien pour les autres. Ah ouais, gros. Comme ça, tu vois, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un dernier mot, quoi. Un dernier mot, ma gueule. Un dernier mot, regarde ça. C'est pour tout le 17e, ma gueule. Tout le 17e, tous les quartiers de Paname, tous les quartiers d'Île de France, tous les barbares qui nous soutiennent, tous les quartiers de France, aïe aïe aïe, et au-delà des frontières, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te reconnais dans nos sons, c'est que t'es un barbare, ma gueule. Donc, gros big up à tout le monde, ma gueule. Frère, on les mecs de la Hesse, big up à toute la France, big up à tout le monde, pour les mecs. Aïe aïe aïe, les chacals qui veulent croquer, qui veulent avoir du gâteau, c'est un animal, mon gars. Quand tu télécharges, poteau, parce que c'est de la lourdeur, c'est de la frappe, fais pas de la merde. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours dans la violence. Puff et de la zep, on chémar sur la presse. Dans nos têtes, c'est la défaite, la victoire, on la baisse. Fais les bails de speed dans le bank, ta meuf, on la presse. 17 PSOLF, la Jonquière, c'est l'adresse. De Nostradamus.